arriver. La rencontre sera arbitrée par M. Gardet, M. Bourreau, Mme Boniface et M. Douchy. Bon match à tous. Mesdames, Messieurs, est-ce que ça vous dit ? No!
Non mais je l'ai dit, moi j'ai le droit de sortir sur le plan, plus. Thank you.
à 8 minutes 23, le premier de pénalité au numéro 85 de Amiens pour faire trébucher. Thank you.
jouable. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amiens. Les deux équipes jouent au complet. Thank you.
de Amiens. Les deux équipes jouent au complet.
de Fabien Cazaris et du numéro 20, Romain Carpentier. Et les partenaires aussi qu'on voit.
tout d'abord, on va commencer par l'ancien Damien, qui est là. Alors Léo, ça fait quoi de jouer contre son ancienne équipe? Ouais, c'est toujours un peu particulier. Ça fait quand même très très plaisir. Surtout quand c'est un beau match comme ça et qu'il y a ton jeu, ça fait plaisir. T'es passé du blanchissage, le seul but que t'as pris, c'est un petit peu dommage quand même, mais pas loin du blanchissage donc ce soir. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, la victoire est là, c'est le principal. Et le public, il était comment ce soir? Le public impérial, comme d'habitude. Merci Léon, tu restes avec nous s'il te plaît. Bon, Mathieu, cette victoire, il fallait la chercher, c'était pas facile. Oui, c'était 3 points par temps, puis on est rendu dans le top 3, c'est ce qu'on souhaite, puis on va continuer de monter encore. Et bien en tout cas, il reste donc 7 matchs dans cette saison régulière, 2 matchs à domicile. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots de la nouvelle stratégie du club là, et comment vous avez vécu ces longs déplacements que vous faites maintenant? Au lieu de faire Brest, loin, Brest, Brest, loin, vous faites Brest, loin, Brest. C'est mieux pour vous, ça évite de la fatigue et puis le groupe se soude. Ouais, mais on est toujours à l'hôtel, c'est bien, le repos est bien. Je vous dis, préparez-vous pour les playoffs parce qu'on s'en vient. Et là voilà, c'est tellement...